Bonsoir Mathieu Béliard, en parlait dans le 5 sur 5. Après le Beaujolais nouveau, le variant nouveau est arrivé cette année. Il a un petit goût de merdier, hein, de bon gros merdier. Et un malheur n'arrivant jamais seul. Il a mis du temps à arriver. Je crois que c'est un magnéto qu'on est censé lancer maintenant, le 2. Aurons-nous le droit, pardon, de faire des pots de fin d'année? Non, ça n'est pas recommandé. Mais très clairement, la consigne, c'est non partout, on peut éviter les pots c'est de fin d'année. C'est plutôt d'éviter, c'est effectivement d'éviter d'en faire, oui. Quelle triste époque que la nôtre. Après la bise, le serrage de paluche, voilà que les pots de Noël, les pots de Noël nous quittent. Ce soir, saluons donc la mémoire de ceux qui nous quittent. Magnéto. C'est vendredi. Ce fifou de Thierry de la Conta qui termine la cravate nouée autour de la tête après trois kirkassis. Le kissa, beuglé par le refrain des démons de minuit, par le service administratif, les bols de curly mou et les caisses de crémant tiède, les cadeaux décevants du Secret Santa. Oh, une bougie parfumée, merci. Le « Hey, à l'année prochaine !» lancé par ce doudingue de N+1 en fin de soirée. Adieu, petits anges partis trop tôt. Mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu si vous tenez vraiment à boire du Côte-du-Rhône autour de l'imprimante avec vos collègues. Ça reste jouable à une condition. Et si vous devez en faire, c'est vraiment dans le strict respect des gestes barrières. Donc si vous êtes amené à boire un verre, bah, il faut être à 2 mètres si vous retirez le masque. Joyeux Noël, Mathieu. J'espère que ça te plaira. Oh, super, une smartbox. J'adore l'escalade. Face à nous trouver de sacrée bamboche. On passe au magnéto. On passe au magnéto 7, direction le Vatican. Aujourd'hui, Emmanuel Macron y était pour rencontrer le pape. L'occasion pour nous de découvrir une nouvelle teinte dans le pantone vocal du président. Nous connaissions sa voix de candidat qui ne maîtrise pas sa fougue. C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Nous connaissions sa voix de quand il est sorti sans écharpe. Françaises, Français, mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Et cet après-midi, nous avons découvert sa voix dite du petit chaton timide qui est impressionné par le pape. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mettons-nous là. Enfin, timide n'a qu'un œil. Il y a un an, quand Emmanuel Macron s'adressait au pape, c'était comme ça. Très Saint-Père, comment allez-vous? Heureux de vous entendre. Très Saint-Père, comment allez-vous? Et aujourd'hui, ça s'est passé comme ça. Un petit livre, c'est un portrait génial de Rivera, que tu connais mieux que moi. Oh, je t'ai fatigué. Merci. Merci de ta patience. Il y a un tutoiement. Eh oui, en un an, on est passé de très Saint-Père, comment allez-vous? Ah, je t'ai fatigué, non, mon vieux. Hein. Il est réélu à la prochaine visite, il check le pape en l'appelant ma couille. Hein. Attention. Hein. Le pape est un pote. Eh oui, le pape est un pote et tout le monde ne peut pas s'en targuer. Nous sommes très Sainte Babette. Vendredi, c'est donc l'heure du récap de la semaine. Oh, précédemment, dans C'est à vous, nous avons reçu Laurent Gérard. Et la présence de l'imitateur a réveillé le côté saltimbanque de Patrick, qui nous a offert une timide mais jolie imitation de Bourville. Ah, bon, alors. Bon vélo. Qu'est-ce que vous demandez? Ah, c'était furtif. Un mauvais vélo, c'était timide. Et fort de ce succès, Patrick s'est ensuite lancé dans une imitation de Charles Trenet. Ah oui. À la télévision, puisque votre toute première imitation à la télé, c'était dans La Chance aux Chansons. Cet homme a décidément tous les talents. Allez, fais-nous Mitterrand. Allez, non. Au moins, VGE. Non. Ah non. Bon, tant pis. Et puis cette semaine, nous avons assisté à une scène rare, le décollage d'un éternuement très sonore de Mohamed. Après 5 minutes passées sur la rampe de lancement, un incident qui a beaucoup surpris Eddie Mitchell. Observez bien son visage. Et c'est ma mère qui, parce qu'il y avait les puces à l'époque, et les puces à l'époque, il y avait... 5, 4, 3, 2, 1... Bouge en 7. Pardon. Non, mais c'était une chemise, hein, c'était pas... Je suis désolé, j'ai essayé de me retenir depuis 5 secondes, je suis désolé. Et puis, je ne pouvais pas revenir sur la semaine de C'est à vous sans évoquer ce drame qui s'est déroulé dans l'indifférence générale, excepté moi, hier.
Patrick a failli nous quitter en direct. Ah bon? Le problème, c'est qu'après, il y a un blanc, je ne sais pas comment enchaîner, moi. Mais si c'était un personnage de BD, c'est quoi la version masculine d'Agrippine ou un truc comme ça? On se dit qu'il va s'arrêter après ce drame, mais non, très vite, le naturel revient au galop. Petit gorgeon. Et... Il avait faim, quoi. Un événement. Il faut vérifier si ça fonctionne. Mais bien sûr. Donc, mais je me fais du souci parce que cet événement n'est pas un cas isolé. Ça s'est déjà produit en juin dernier. Ah oui. Voici donc le rappel de cet événement et quelques conseils de professionnels afin d'éviter que cela ne se reproduise. Il n'y a pas que la France qui vous a manqué durant cette période. La scène, évidemment, comme. Pour de nombreux artistes, avec le et le contact avec le public, ça va aller. Ça va, Patrick ? Et le contact avec le public, mais aussi le soutien. S'il y a des conseils qu'on peut proposer à nos patients, d'abord, c'est toujours de manger dans un endroit calme, en évitant les sollicitations multiples, donc pas de télé à hauteur, pas trop d'interaction verbale avec une personne autour, pour rester vraiment bien concentré sur le mouvement de déglutition. Voilà. Notez, Patrick. Et enfin, on referme ces actualités avec vous, Babette. Oh hein. Avec vous, Babette. Hier, ce soir, c'est délicieux. Hier, ça l'était aussi, mais... Mais j'ai beaucoup aimé votre réaction que les téléspectateurs n'ont pas vue puisque la réalisation montrait d'autres images. Votre réaction lorsque notre chef a dévoilé le menu du dîner du soir, vous avez vu votre vie défiler. Ah oui. Ce plat symbolise bien en fait de travailler les produits dans leur entièreté. Et du coup, on ne jette rien en fait le canard, on va utiliser toutes les parties. Et ça se boit ? Non. Oui, alors ça c'est un bouillon, donc ah bon disons c'est le foie en fait, il y a vraiment toutes les parties du canard, donc dans la tartelette vous avez le cou, avec des petites blettes, hein. Le jambon c'est un jambon de canard, donc de la partie de la cuisse, le marbré c'est les aiguillettes et le marbré qui sont enroulés de blettes. D'accord. Et dans le petit verre vous avez donc les bouillons. Et le foie gras poché. D'accord. Oh là là. D'accord. Eh bien, bon appétit et bon week-end. Non, mais c'était délicieux. Mais oui. C'était délicieux. Mais oui, mais je vous fais confiance, cher Patrick. Moi, j'ai pas osé me lancer dans le bouillon avec le foie gras qui flottait. Mais c'est psychologique, exactement. Merci beaucoup, cher Patrick.